vous l'avez constaté, hein, aujourd'hui c'est une mobilisation qui a été faite suite à l'appel de son Excellence Monsieur le Président de la République pour le Sétal Sunyireo qui se tient tous les premiers samedis du mois. Et que le mouvement sportif n'a fait rien d'autre qu'entonner la même chose pour demander à toutes les populations, et en particulier aussi les sportifs, de venir, n'est-ce pas, massivement s'occuper du nettoiement, n'est-ce pas, du stade régional qui se trouve être le stade Alinsou Diatta. Et pour cela, je crois que nous ne dirons pas plus, sinon de remercier en tout cas tous ceux qui ont répondu présents à l'appel, et ceux qui n'ont pas aussi pu avoir le temps de venir. Mais je pense que ce n'est que partie remise parce que cette opération, à ce que je sache, elle va être perpétuelle. Donc, au prochain jour, certainement, les prochains rendez-vous, nous reviendrons encore une fois de plus pour ne serait-ce que continuer à faire ce coup de balai dans le stade régional dont tous les Casamançais s'identifient. Et par rapport même à la marraine qui porte aujourd'hui, dont le stade porte son nom, la reine Alinsou Diatta, il est bon qu'on puisse en tout cas perpétuer cette action. C'est ça que je voudrais dire. En tout cas, féliciter tout le monde, remercier tout le monde, ceux qui sont venus, les autorités administratives, le gouverneur à la tête, qui ont mis en tout cas les moyens qu'ils ont, ne serait-ce pour nous permettre de travailler. Et nous allons profiter de cette occasion aussi pour leur demander davantage de mettre plus de moyens pour que vraiment cette salubrité que nous cherchons, n'est-ce pas, dans ce pays soit en tout cas une réalité. C'est possible. On ne peut pas nettoyer un pays ou bien une infrastructure sans le matériel nécessaire. Donc s'il y a le matériel, je crois que les moyens humains, le Sénégal en a suffisamment. Si je prends le cas du mouvement sportif, vous avez vu ce qui s'est mobilisé aujourd'hui comme personne. Donc c'est dire que voilà, qu'on mette les gens sur les rails et que le reste, les populations le feront. Et les structures de jeunesse à Foulard, mais pour le reste, c'est toutes les disciplines sportives, les ligues, volleyball, handball, football, taekwondo, ils étaient là avec leur tenue. Hein, vraiment, basket, athlétisme, tout le monde, hein, le jeu d'esprit, Scrabble, tout ça, ils étaient là. Donc, à ce niveau, on n'a pas de problème. Nous sommes un mouvement sportif, soudé, uni et qui travaille en même temps. Aujourd'hui, vous avez vu au niveau de la grille de protection, comment on appelle la main courante, a été bien nettoyée, elle était toute verte d'herbe, couverte d'une couche verdâtre, mais on a tout fait pour enlever. Et aussi l'intérieur, comme vous l'avez vu en même temps que moi, je pense que vos images le montreront. Le stadium de basketball aussi a été bien nettoyé. Donc pour le reste, je crois que, comme Linkey Wah, il a dit Gis Bokuti. Voilà, donc c'est ça. Donc je voudrais remercier M. le gouverneur ici présent pour son engagement, sincèrement. À le voir seulement, c'est une source de motivation. Il est passé par Bignonan, il est venu à Ziguinchor. Comme pour dire que cette journée n'est pas une demi-journée chez M. le gouverneur, mais c'est une journée entière. M. le gouverneur, vous avez les félicitations de toute la jeunesse de Ziguinchor. Saluer aussi M. l'inspecteur régional des sports pour aussi sa disponibilité, sa générosité, mais surtout M. le gouverneur pour son assistance à la jeunesse de Ziguinchor. Merci M. l'inspecteur. Je voudrais remercier aussi le président de la Ligue Irama, c'est notre patron. C'est le patron des sportifs de la région de Ziguinchor. Tout le monde le reconnaît dans ça, parce que, monsieur le gouverneur, il unit tout le monde. Le sport unit. J'ai toujours dit, on peut ne pas être d'accord sur tous les plans, mais quand c'est le sport, tout le monde va dans le même sens. Monsieur le gouverneur, rassurez-vous, nous allons continuer derrière Irama à œuvrer dans ce sens et à répondre favorablement à vos appels pour que Ziguinchor soit la première région en matière de CERCETA. Ça, nous sommes convaincus avec vous, avec l'inspecteur des sports, que les jeunes vont répondre favorablement et que s'il y a une compétition, nous allons être premiers. J'aimerais bien dire que c'est le lieu de remercier et de féliciter l'État du Sénégal. Vraiment, les travaux avancent très bien et l'espoir est permis de voir le 15 juillet à Ziguinchor, au grand bénéfice des supporters. Et je sais combien de fois les autorités ont peiné de voir le cas aller jouer ailleurs. Le gouvernement me le disait tout de suite,
ça a été très laborieux. Mais mashallah, on s'est maintenu en Ligue 1. On va prouver que jouer à Ziguinchor est toujours une faveur pour le club Casab Sport. Parce que jamais encore, on a perdu plus de 2 matchs à Ziguinchor. Et l'an dernier, on a perdu tous les matchs ici en Casablanca. Donc, c'est pour dire, monsieur le gouverneur, on compte ouvrir le championnat le 11 octobre. Et c'est pourquoi je disais tout de suite à Irama, je souhaite que la première journée soit une première journée où le Casab va sortir. Pour donner encore une semaine de plus pour que le stade soit carrément prêt. Voilà.